Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo dédiée à Dirt Rally 2.0. Je vous accueille aujourd'hui pour un court moment ensemble. Il faut parfois se contenter du plus simple pour parler de comment installer une décoration personnalisée dans Dirt Rally 2.0. Alors j'ai commencé sur le blog que je vous invite à visiter d'Arnaud Rally qui produit beaucoup de livrets, notamment pour Richard Burns Rally et Air Factor. Le lien de son blog sera dans la description. Vous pouvez également désormais, la section a été ouverte, vous rendre sur le site de Race Department où vous trouverez une section dédiée à Dirt Rally et à ses skins. Alors plusieurs précisions évidemment, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à partager le travail de certains de ces modeurs qui sont pour la plupart français, qui font énormément de boulot. Et ça nous permet aussi de retrouver les décorations que l'on connaît et que l'on aime, avec donc le tabac, les cigarettiers, etc., etc. Ici, je vous montre un petit peu qu'on peut donc télécharger très simplement depuis le site Race Department, mais je vous précise aussi autre chose, voyez donc la description. Si jamais vous souhaitez switcher, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de perte de fichiers du jeu. Simplement, vous ne pourrez plus jouer en multijoueur ou tout simplement sauvegarder la carrière. Alors, une fois qu'on a téléchargé le fichier, on l'extrait et on se redirige dans le fichier Steam. Alors, pour ma part, c'est sur le disque local D, mais une fois que vous êtes dans Steam, Steam App, Common, ça c'est le même chemin que vous, et vous allez chercher le dossier Cars, voiture en anglais pour les moins bilingues, et vous collez le fichier, vous le remplacez. Et vous allez découvrir que le fichier, est changé. Ce qui veut dire que la livrée basique, la livrée principale de la voiture, la première donc de chaque modèle, est changée. Et une fois qu'on lance une petite spéciale ici, en Australie en l'occurrence, on retrouve la livrée de Marc Duet du Monte Carlo, qui est absolument magnifique. En tout cas, moi j'étais un gros fan des couleurs Fina de l'époque, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Et il vous suffit tout simplement de vous amuser. Alors, petite précision effectivement, si vous êtes un joueur qui va simplement se faire des petits championnats ou des contre-la-montre, ou essayer de tryhard le jeu, prenez ces skins. Par contre, effectivement, si vous évoluez dans un mode carrière et que vous avez une sauvegarde, faites bien un backup de votre jeu avant. N'allez pas installer des fichiers n'importe comment, puisque vous risquez de corrompre votre sauvegarde dans le jeu. Autre point, pas de multijoueur. Alors, je ne sais pas si ça concerne uniquement les courses en multijoueur dans le mode multi classique ou si vous ne pouvez pas non plus accéder au mode time trial. Donc ça, à vérifier. Mais je sais que comme dans le jeu de Formule 1 de Codemasters, les fichiers skin, là, dans ce cas-ci, sont annoncés comme changeant l'accès à certaines parties du jeu. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais je fais confiance aux skinners qui ont dû, à mon avis, bien s'amuser pour régler tout ça avant de proposer des décos. Donc voilà, je vous laisse les liens dans la description de Race Department et du site d'Arnaud Rally. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je suis toujours à votre disposition si jamais vous avez encore des questions à ce sujet. J'espère vous avoir éclairé sur comment donc installer une livrée personnalisée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Salut.